Dans un temple impie de la péninsule de Demos,
Cronus l'apôtre noir Eliphas. Là, les Wordbearers érigèrent leur temple noir et lancèrent l'assaut sur ce monde. Des énergies surnaturelles ouvrirent dans le sol des gouffres abyssaux et transformèrent les jungles en un paysage de cauchemars baigné de vagues d'énergie corrompues. Expert en démagogie, Eliphas tira profit de la nature indisciplinée des adorateurs du chaos. Au lieu d'établir une défense unifiée, il permit à ses champions et dirigeants de culte d'établir leur propre temple satellite, où ils purent poursuivre leur propre rituel noir. Tout attaquant, espérant vaincre les Wordbearers, devra ainsi affronter un nombre considérable d'hérétiques, y compris certains des Space Marines du chaos, les plus aguerris de la Légion. Et tuer les hérétiques présents sur Cronus restera un coup d'épée dans l'eau tant que demeurera ouvert le grand portail Warp de la forteresse d'Eliphas. Les sorts noirs des sorciers Amphion et Zétus entretiennent cette déchirure dans la trame de la création, offrant ainsi à Eliphas des renforts inépuisables. Tant que le portail de Deimos restera ouvert, la victoire sera impossible sur Cronus. Grâce aux 37 clés de Tzench, nous ouvrons la voie pour nos frères. Grâce aux 1000 murmures de Slaanesh, nous les invoquons. Grâce aux 12 plaies de Nurgle, nous tuons leurs ennemis. Et grâce à la puissante hache de Khorn, nous leur offrons le monde grand ouvert. Oui, venez entendre la parole du chaos universel. Entendez mes avertissements, horde de mécréants. Portez vers vos esprits par le pouvoir du prince de l'excès en personne. Nous avons dressé des autels sur ces terres afin de pouvoir vous sacrifier à nos dieux. Les vétérans de 10 000 ans de guerre impie attendent de vous écraser sous le talon de leurs puissantes bottes. Les élus de Khorn attendent de vous ajouter à leur sanglant palmarès. Le dieu du sang lui-même a marqué cette terre et va orner son trône de vos crânes. Il est inutile de s'opposer à l'inévitable. Baissez les bras, horde de mécréants, et agenouillez-vous devant les forces du chaos universel. Automates sans âme, vous ne triompherez pas du chaos. Elle, ton âme a disparu. Je vais te détruire.
Accroche-toi à tes espoirs, mon ami. Ta destruction n'en sera que plus agréable.
entendu faillir. Vous êtes des intrus ici. Votre sacrifice nourrira les dieux du chaos. Thank you.
compagnie. Vous êtes des intrus ici. Votre sacrifice nourrira les dieux du chaos.
Admirez la puissance du chaos. Ce monde est à nous pour toujours. Come on.
Accroche-toi à tes espoirs, mon ami. Ta destruction n'en sera que plus agréable. Thank you.
Voyez la foi de mes croisés. Ils vous purgeront de votre incrédulité. You
Notre sort à tous est écrit dans le Warp. Le vôtre, c'est la mort. Thank you.
Tuez ou soyez tués. Dans les deux cas, cela sert le chaos. Thank you.
Ils rejettent la parole du chaos, Seigneur. Les fidèles qui sont ici ne sont pas assez forts. Tu n'es qu'un pauvre berger qui blâme son troupeau, apôtre. Cet échec est de ta faute, et seulement de ta faute. Non, je ne retournerai jamais à la basilique des tourments. N'aie aucune crainte, apôtre. La basilique est réservée à ceux qui peuvent encore se racheter. Non. Non. Tu n'auras pas cette chance. Le plus ancien de tous les cycles mythiques Eldar évoque l'affrontement entre les divinités assoiffées de sang des Nécrons et les puissances du Warp. L'assaut des Nécrons contre la forteresse du Chaos fut donc une sorte de reconstitution de cette guerre préhistorique, la vague impitoyable des Nécrons mécaniques venant s'entremêler à la folie débridée de l'Immaterium. Malgré la magie noire et la rage de leurs démons, même les Space Marines Renégats ne purent endiguer la marée sans fin des Nécrons. Les serviteurs du Nightbringer restèrent ensuite quelque temps à Deimos, semble-t-il, pour purger le sol souillé par le pouvoir du Warp. L'armement à fission des Nécrons atomisa chacun des temples et artefacts du Chaos encore présents, sans oublier les cadavres, et même ceux qui avaient survécu à l'attaque. Lorsque les Nécrons prirent le chemin de leur cible suivante, la péninsule n'était plus qu'un désert de cendres et de poussière.